sœurs, vous avez participé à la Sainte Messe catholique en latin et en français. Vous êtes une foule immense, beaucoup de monde, supportez-vous les uns les autres, avec respect et dignité, plein de gentillesse, de respect, de courtoisie, comme déjà civilisé. Je vous remercie pour votre gentillesse et pour votre compréhension. Beaucoup d'entre vous, peut-être vous ne connaissez pas Madame Anne-Marie Deltambre, c'est un docteur de droit islamique, elle parle parfaitement la langue, elle est professeure, elle vient de Paris spécialement pour ici, et aussi en même temps pour écouter et pour donner son avis et pour participer à une émission du Canada jusqu'à ici. Nous allons parler, elle va faire quelque chose de bien, c'est la seule personne qui s'occupe de nous, de notre procès, qui est vraiment stupéfait. Comme quoi, c'est ce procès ridicule. Il y a 6 ans, j'ai dit un mot au sujet de l'islam, et nous savons parfaitement l'islam, c'est le problème majeur des Européens dans le futur. Si nous avons 10 millions bouddhistes ici, pas de problème. 10 millions japonais, chinois, congolais, pas de danger. Mais l'islam, c'est le danger futur. Donc l'islam, avant les croisades, 4 siècles déjà, avait envahi la moitié de l'Europe, frères et sœurs. Anne-Marie Deltambre, c'est un écrivain en même temps, c'est vrai, un écrivain, elle écrit beaucoup de livres, elle lit beaucoup, c'est une femme cultivée, je n'aime pas faire sa louange, c'est la vérité. Eh bien, franchement, Anne-Marie Deltambre, vous êtes grandement la bienvenue, nous applaudissons encore. Elle connaît parfaitement les lois, et elle va vraiment nous défendre, corps et âme, sur tous les plans. Sur le plan, va propager cette procès ridicule, absurde, misérable. Cette mascarade de procès, elle va parler avec tout le monde, et il faut. Donc nous avons besoin d'une véritable femme, comme disait Napoléon, l'homme est l'ouvrage de la femme. La femme, c'est l'avenir. Nous devons respecter toutes les femmes. Nous devons aussi dire vraiment à Anne-Marie Deltambre, elle est grandement la bienvenue ce jour-là, et elle a proposé Ave Maria de Schubert dans la radio judaïque et par la radio en France, elle a proposé Ave Maria de Schubert. Eh bien, nos artistes nous ont dit, maintenant c'est pour vous Anne-Marie Deltambre, vous chantez Ave Maria de Schubert. Faites la bienvenue.